me rends compte, moi, qu'on prône une société où les gens doivent être mobiles, doivent donner de leur temps, doivent toujours travailler plus tard, plus tôt, flexibles et autres. On est dans un système où les crèches ouvrent à 8h30, ferment à 6h. Pour moi qui suis pendulaire ou pour mon ami qui est également pendulaire, ça va être une course un peu tous les jours. Alors moi je ferai le matin, elle fera le soir et puis on verra comment on va s'en sortir. Weil sonst als alleinerziehende Mutter hat man nicht wirklich viel Geld zur Verfügung. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass es subventionierte Plätze gibt. Je pense que c'est un faux débat, les mentalités doivent évoluer. La femme doit pouvoir choisir de vouloir travailler, ça ne doit pas être une nécessité financière ou pas qu'une nécessité financière, mais elle doit aussi pouvoir décider d'avoir la chance de pouvoir s'occuper un petit peu de ses enfants. Also, solange ich nicht arbeite, geht es gut. Wenn ich arbeite, muss ich schauen für einen Krippenplatz, für den Kleinsten. Die Grösseren ist Gabi, die geht in die Schule, Kindi. Das ist sie zumindest am Morgen in dem Sinn verräumt. J'ai pas encore pu vraiment tester et aller dedans, mais quand je vois la quantité de documents qu'il a fallu fournir pour pouvoir inscrire le petit, il faut évidemment toutes les attestations de salaire, il faut en plus qu'il y ait un papier qui soit rempli par les employeurs, il faut attester d'énormément de choses, remplir un dossier qui était vraiment épais comme ça. Es ist nicht der Normalfall, das sicher immer noch nicht, aber es ist nicht mehr, man ist nicht mehr exot, wenn man sagt, ich habe mich bewusst entschieden, im Beruf in dem Sinne nicht 100% zu arbeiten, sondern eben auch Zeit unter der Woche mit den Kindern zu verbringen. Permettant ainsi à la fois une égalité de traitement entre hommes et femmes, mais c'est aussi énormément d'hommes qui aimeraient pouvoir travailler un peu moins, mais avec 4 jours on peut quand même avoir des tâches et des responsabilités, donc ça pourrait être une possibilité. Et puis l'employeur a tout à y gagner, je pense qu'il peut demander aussi plus à son employé tout en ayant un employé qui se sent bien dans ses baskets parce que voilà, il peut passer un jour avec son enfant. On a dû s'organiser déjà sur un premier plan, c'était de réduire nos temps de travail, parce qu'on voulait non seulement s'occuper du petit, mais également avoir moins de frais en termes de garde. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le fond, travailler moins paye plus que de travailler pour payer des jours de crèche. Ich hätte gesehen, dass das bei meinem Arbeitgeber problemlos ist möglich gewesen. Was zählt, ist, dass man die Arbeit erledigen kann. Zugeordnete Projekte kann seriös begleiten. Wie und wo dass man das machen, ist in dem Sinne sekundär. Und ja, ich bin auch überzeugt, dass es für beide eine Lösung ist, wo beide Seiten profitieren und natürlich Motivation und Loyalität zum Arbeitgeber ist natürlich so sicher auch gesteigert.